Hello, salut tout le monde, c'est Flo. Allez, je vous retrouve là dans Division 2 dans le mode descente. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo hein, sur les talents, tous les talents qu'on trouve dans le mode descente. Comme ça, bah, l'idée, c'est quoi C'est simplement de vous fournir un, euh, un, une liste complète hein, de tous les talents qu'on peut trouver. Comme ça, ça vous permettra de construire les différents builds. Alors, première chose, j'en profite. Les talents, d'ailleurs, c'est quoi Pour Ceux qui n'ont pas trop joué au jeu, hein. Bah, ce seront les talents classiques offensifs euh, ouais, voilà. talents offensifs talents défensifs et talents utilitaires donc que vous pourrez cumuler et stacker en faisant euh, en nettoyant hein, différentes salles et ces fameux talents offensifs défensifs ou utilitaires seront à choisir hein, parmi trois euh, ou quatre talents sur la console à l'intérieur de la salle hein, une fois que la salle a été nettoyée et ces choix là en fait, c'est défini par l'espèce de hexagone, là donc qui décrit voilà le choix en fait des talents. Donc cette salle là, hein, c'est soit du jaune, soit du bleu, soit du rouge. Donc à l'issue de cette salle, hein, une fois qu'on l'a nettoyé, la console va nous donner le choix entre deux talents utilitaires et un talent offensif pour cette salle-là, mais pour l'autre salle par exemple, hein, celle-là, j'aurai le choix entre deux talents utilitaires en jaune et un talent défensif. Et la troisième salle, deux talents utilitaires et un talent offensif. Sachant que bah, finalement les combinaisons de ces talents-là hein, sont aléatoires aussi d'une salle à l'autre. Donc parfois le chat des salles hein, se fait euh, soit en fonction de la difficulté, soit en fonction en fait, des talents qu'on peut, euh, qu peut récupérer en ayant nettoyé la salle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, J'avais déjà fait une autre vidéo hein, sur le, le, la technologie NSA qui permet d'acheter en fait euh, des, des choses hein, sur le, la console avant d'entrer dans le mode descente et qui un de ces talents-là, hein, ce que je préconise d'acheter en premier, enfin un de ces trucs à acheter, permet d'activer un quatrième talent ici. Ça veut dire euh, et celui-là par contre est complètement aléatoire, hein, donc on ne le sait pas, on ne le connaît pas du tout. On ne connaît pas du tout son type, hein, offensif, défensif ou utilitaire. On ne connaît pas du tout son type à l'entrée de la salle. Mais ça, ça, une fois que c'est déverrouillé, en fait, c'est super bien parce que lorsqu'on a terminé la salle, on aura le choix du coup entre deux talents utilitaires, un talent offensif et un quatrième talent complètement aléatoire. Euh, ok, donc ce que je vais faire, je vais aller dans celle-là, je vais juste nettoyer la salle. Sans crever, hein, je suis en mode facile, ça devrait le faire. Construction d'un combattant ennemi. Est là que ça va sortir, non, c'est pas là, c'est en bas. Voilà, le but c'est juste d'aller à la première console. Allez, on va nettoyer donc je joue en solo, hein. comme ça je peux expliquer tranquillement. J'ai pas de contrainte de temps. Voilà, un dernier mob. Voilà, parfait. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on a nettoyé la salle, on a bien une console qui apparaît, qui nous dit choisissez votre talent. Donc, sans surprise, obtenir un talent nous propose du coup deux talents utilitaires en jaune hein, et un talent offensif, donc comme vu à l'entrée de la salle, hein, deux jaunes et un rouge. Et le quatrième talent, par contre, il n'est pas actif puisque je n'ai pas activé encore l'ordinateur avant d'entrer dans le mode. Alors, le truc, c'est que je remets ça. Le truc c'est que ces talents-là en fait sont, euh, font partie d'un pool de talents. Donc un pool de talents, c'est-à-dire qu'il y a j'ai compté hein, je crois que pour les talents offensifs, il y a à peu près 16, enfin entre 16 et 18 talents offensifs. Donc du coup, c'est pris aléatoirement dans ces talents-là offensifs. Pour les talents utilitaires, il y en a euh, pareil, je crois une quinzaine. Et en talents défensifs, il y en a une dizaine, je crois. Avec ce que j'ai compté. Donc l'idée, c'est que moi, bah, j'ai simplement fait, enfin, lors des différentes sessions de jeu, hein, j'ai regardé les différents talents qui existaient. Donc je les ai répertoriés, hein, mis dans un tableau. Et j'ai aussi, lorsque j'ai réussi à augmenter les tirs de, de talents, c'est-à-dire réutiliser le même talent, enfin, cumuler le même talent plusieurs fois, hein, ça permet de passer au tir 1, tir 2, etc. Et à chaque fois, du coup, ça améliore les stats qu'on a dans la description du talent. Donc j'ai référencé tous ces différents talents ainsi que leurs différentes stats selon là où j'ai réussi, euh, enfin ce dont j'ai réussi à avancer dans, le, dans la partie. Voilà, donc là je vous montre par exemple des talents euh, utilitaires, voilà, ils appellent ça utilitaire. Donc utilitaire, ce n'est pas forcément des compétences. Hein. On voit talent extra, c'est un talent utilitaire, et en fait ça, voilà, ça augmente la capacité du chargeur. Donc, c'est utilitaire, mais à la fois pour les DPS et aussi pour les. Euh, enfin, soit pour les DPS, soit pour les euh, compétences. C'est les deux dans les jaunes. C'est pour ça qu'il faut quand même regarder les talents jaunes, parce qu'il peut y avoir des trucs vraiment pas mal. Hein. Capacité de chargeur, par exemple, plus 10% au tir 1. Mais si vous augmentez, vous passez au tir 2, 3, 4, vous montez tout de suite à plus 40% la capacité du chargeur, par exemple. Euh, voilà, donc là, je vous ai montré pour deux talents. Comment utilitaire et offensif. Alors je vais voir. Non même, je vais juste, euh, bah je vais juste en sélectionner un déjà tant que j'y suis. <laughs> Donc là je vais prendre par exemple utilitaire. Hein. Donc du coup je choisis entre les trois emplacements dispo, sachant que les trois autres emplacements ça il faudra les acheter à la console sur la console mais à l'intérieur du mode descente grâce à vos crédits euh, crédits de descente. Je sais pas s'ils ont un nom spécial. Voilà, donc là j'ai des emplacements dispo, je vais le mettre là. Et je le retrouve logiquement dans mon inventaire hein, ici. Utilité, enfin utilitaire, hein, extra, voilà, il est là. Donc tout est bon. Alors pareil, on va voir les prochaines salles. Qu'est-ce qu'on nous propose Voilà, donc là par contre j'ai du mode défensif. Donc soit je prends celle-là qui me proposera deux attributs défensifs, euh, enfin deux talents défensifs, pardon, ou un talent offensif, ou l'autre salle là-bas qui est plus dure, qui me proposera un des talents de chaque type. Donc je vais aller là, par exemple. Accès à la nouvelle pièce, difficulté intermédiaire. Bon là, pas, je vais pas vous montrer du gameplay, hein, je... J'en profite juste. Le but, c'est juste d'aller au... à la console. Expliquer brièvement, bon, même si ça prend un peu de temps quand même. Allez, donc là c'est en mode euh, pas difficile, intermédiaire, voilà, c'est ça. Normalement je devrais y arriver. Donc la capacité du chargeur, hein, c'est le talent que j'ai débloqué, fonctionne sur toutes mes armes, hein, bien sûr. Donc, c'est ça qui est bien avec ces talents, hein, c'est que c'est applicable à tout. Vas-y, crève. Ah, vous y croyez ça Si tire dans le truc, je suis mort. Donc, évidemment, hop à pas faire. Console de talent, maintenant on va voir par exemple hein, deux talents défensifs. Voilà donc protecteur et serment, donc les deux talents défensifs. Et ce qu'on voit, alors c'est assez marrant, mais protecteur en talent défensif, et eh ben ça fait euh, ça parle en fait de la euh, réparation de compétences. Voilà donc c'est un talent défensif que j'aurais peut-être plutôt mis en utilitaire, mais bon, puisque là ça concerne purement euh, un talent de compétence en fait. Alors que serment. C'est voilà, un talent vraiment de protection, puisque si vous êtes à moins de 15% de votre protection, les coups critiques réparent 5% de la protection détruite. Voilà, c'est pas du tout... On, on parle pas de la même chose. Là, on parle vraiment des compétences pour ce talent-là, alors que là, c'est vraiment euh, un talent purement défensif. Mais bon, soit. Alors, je sais pas s'ils vont changer ça à l'avenir ou pas. Mais bon, pour l'instant, moi, je l'ai listé. J'ai listé le talent protecteur comme... Euh, euh, comme défensif. Hein. Je l'ai listé, évidemment, tel quel... Donc après l'idée hein, de mon tableau, c'est évidemment de pouvoir euh, construire son build en fonction de ce qu'on veut réellement jouer. Puisque là, bah, par exemple, j'ai pas pu sélectionner de, de talent de heal, enfin pour euh, soigner. Donc, à moins que j'ai la chance en, fin, de compétences de soins, à moins que j'ai la chance d'en avoir un dans les, dans les prochaines sessions, enfin du moins dans les prochaines salles, euh, dans les prochaines boucles, pardon. Bah, le talent protecteur ici, par exemple, ne me servira à rien. Hein. Puisque réparer les compétences, sachant que je n'ai pas de compétences de réparation, c'est un peu inutile. Donc les talents, je peux aussi, comme dit, renouveler les talents. Donc ça, ça va me coûter. Pardon, ça va me coûter des crédits, hein, des crédits de décentes. Donc ça, c'est les crédits que j'obtiens dans chaque salle. Et si je renouvelle les talents, voilà, bah ça me les rechange. Alors je... à chaque fois que je les fais, j'ai l'impression qu'il y a l'un des trois talents qui est quand même conservé. Je ne sais pas forcément lequel. Par contre, les deux autres sont modifiés. Mais toujours hein, selon la même, euh, la même répartition. Donc là, deux bleus, un rouge. Parce que c'est la répartition de la salle. Ok. Et je peux aussi, si aucun des trois talents. Euh... Parce que le problème, c'est si je renouvelle les talents, ça va me coûter de plus en plus cher. Donc c'est pas la peine de gaspiller son, son fric. Je peux aussi décider de ne pas choisir les talents. Et à ce moment-là, je gagne 250 crédits. Donc ça, ça peut être un bon choix aussi. Hein, puisque le fait de ne pas prendre de talent permettra peut-être de renouveler d'autres talents. ou... Où... Ou d'améliorer ses choix ou d'acheter d'autres trucs aux différentes consoles. Plus tard dans, le, dans la partie. Ok, donc là ce que je vais faire par exemple. Je vais prendre... Bah je vais prendre rien du tout tiens. On va mettre ne pas choisir. Donc du coup je ne vais pas cumuler de talent. Mais je vais gagner par contre du fric NSA. Donc je suis remonté à 600 là-haut, en haut à droite. Voilà. Donc là, je vais juste faire une pause dans le jeu. Bon pour vous, vous ne la verrez pas. Et je vais juste vous montrer... Si j'y arrive, hein, un talent exotique. Allez, à tout de suite. Alors, je profite là d'avoir l'occasion. Donc, comme j'ai dit, euh, on peut sélectionner plusieurs fois le même talent. Donc, là par exemple, on me repropose hein, le talent sur la console. On me repose le talent extra. Donc, sachant que je l'avais déjà sélectionné tout à l'heure. Donc, j'étais au tir 1. Donc, le talent conférait 10% à la capacité de chargeur. Et bien là, le fait d'avoir accès au tir 2, si je le sélectionne. Et bah du coup ça améliore mes stats. Ça veut dire que équipé, ce talent conférera maintenant 20% à la capacité de chargeur. Et donc c'est le tier 2. Ça veut dire que tier 3, ce sera certainement en 30%, tir 4 40%, etc. Alors je pense, j'ai jamais. Euh, j'ai pas encore eu l'occasion de voir ça, mais je pense qu'on peut aller jusqu'au jusqu tir 10, peut-être. À confirmer hein, si jamais quelqu'un a vraiment la, la, chance, euh, la chance de pouvoir cumuler au moins 10 fois le même talent. Mais imaginez, hein, si je peux le faire 10 fois, bah, ça veut dire que je pourrais avoir 100% la capacité de chargeur. Donc, un chargeur doublé hein, au final. Euh, voilà, ok, allez. Alors, en principe, le talent exotique, on en gagne un lorsqu'on termine hein, la première arène. Donc, l'arène, en fait, c'est la... la fin de la première boucle. Donc, normalement, en terminant cette arène-là. On obtient l'accès à une console de talent exotique. Donc je vais lancer l'arène. Et puis bah, je vous retrouve quand je serai devant la console. Ouais. Ok, donc là je viens de terminer l'arène. Et là donc il y a une console. Choisissez hein. votre talent exotique. Donc il y a de très fortes chances en général qu'elle apparaisse, enfin, que cette console apparaisse à la fin hein, de, la première, euh, de la première boucle. Et par contre, c'est rare de l'observer, enfin de l'obtenir hein, sur les boucles suivantes, dans les arènes des boucles suivantes. La deuxième fois que moi j'en ai eu un, parce que, en fait, ce que vous voyez, hein, c'est que là on a un emplacement de talent exotique. Donc on peut en cumuler techniquement trois. Et moi honnêtement, la deuxième fin. la pre premier talent que j'ai eu, c'était en, en la boucle 1. Et la deuxième fois, je crois que c'était à la fin de la boucle 6 ou boucle 7. Alors je ne sais pas après si on peut l'obtenir si dans les arènes des autres boucles ou pas aucune idée alors talent exotique c'est assez particulier puisque celui-là par contre ne se stack pas il me semble hein. mais en revanche c'est des talents quand même très puissants. donc pareil hein, je vous ai fait la liste j'ai enfin je les ai référencés hein. donc du coup voilà donc, par exemple hein, la fléau des est avec' but donc ça c'est le par exemple le talent du euh, de, du fusil mitrailleur hein, pestilence la batteuse donc au but qui applique un debuff qui inflige 75% des dégâts d'armes sur 10 secondes, effet cumulable, etc. Et quand l'ennemi le, qui subit le debuff meurt, le trans, cumul, cumul d'effets est transféré à un ennemi situé dans un rayon de 7 mètres. Alors justice aveugle, ça ça vous parlera peut-être pas, mais ça c'était le talent euh, du pistolet exotique, le Liberté. Liberty. Liberty hein. euh, c'était l'ancien talent en fait. Avant qu'il y ait euh, la grosse mise à jour de Warlord of New York. Donc, c'était l'ancien talent, enfin l'un des anciens talents hein, du pistolet EXO. Donc, bon, c'était assez marrant. Et morsure fatale, donc ça, c'est le Diamondback. Non, bah, d'ailleurs, ils ont laissé le, le nom. Donc, c'est histoire des coups critiques. Donc, moi, par exemple, je vais prendre Fléau des Paria, c'est le plus simple. Voilà, et je vais l'équiper. Et ensuite, on nous donne accès, voilà, à un nouveau, une nouvelle console. Donc, celle-ci, les statistiques, là, ce sera disponible à la fin de chaque arène. Et cette console vient simplement booster les stats, donc dévastateur. Donc ça, c'est unique à cette console. Hein. Donc c'est les dégâts d'armes ou bien le bleu dégâts, euh, protection augmentée, donc augmentation de protection, ou bien le tiers de compétence. Voilà. Donc ça, c'est les stats classiques hein, qu'on avait sur nos, nos équipements. Et donc ce, ce genre de stats, hein, on les a uniquement sur cette console en fin d'arène. Voilà pour la partie euh, du jeu. Donc ensuite, ben c'est la prochaine opération, hein, on termine la boucle. Et du coup, on fait les prochaines boucles en cumulant hein, les talents. Je sais pas si ça lance, non, il faut que je rentre. Donc voilà, en fait, on va s'amuser à cumuler hein, les différents talents. Selon les... Enfin, à travers les différentes boucles. Et donc tant que j'y suis, je vais vous montrer vite fait sur l'ordi. Donc là, on peut choisir un hein, mot compétence, bon, c'est pas le sujet. Et là par contre voilà dans la petite boutique on peut voilà, acheter des emplacements de talents supplémentaires. Donc ça ça ne marche que pour la partie en cours. Hein. j'ai 1410, ça va. Donc logiquement je devrais regarder est-ce que j'ai l'un des trois là où j'ai besoin d'un emplacement supplémentaire. Bon là ce n'est pas le cas. Mais sinon hein, je pourrais en acheter un, par exemple, le talent offensif. On va dire que j'ai besoin. Voulez-vous vraiment l'acheter Je l'achète. Et c'est valable que pour la partie en cours. Ce qui fait que voilà, du coup, je passe à 4 emplacements de talent. Donc voilà, ça me permet d'en cumuler plein. Donc, nickel. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais basculer sur mon écran, pas sur le jeu. Et je vais vous montrer un peu le. Je vais vous montrer les différents talents qu'on peut obtenir. Allez, on se retrouve sur mon écran maintenant. Donc voilà, j'ai de nouveau séparé l'écran en deux parties. Voilà, donc ce que j'ai fait. Hein, euh, j'ai laissé donc, le mode de jeu descente, et je me suis amusé à créer un méga tableau dans lequel j'ai répertorié tous les talents donc, offensifs, défensifs en bleu, utilitaires en jaune et les talents exotiques. Donc bon, au moment où vous regardez cette vidéo, le tableau n'est pas encore complet puisque ça dépend vraiment de ce que j'ai réellement observé. Hein, j'ai encore plein de choses à, à faire. Il y aura peut-être plus cette forme-là, mais bon. Ça, c'est pas grave, tout ce qui compte, hein, c'est l'information qu'il y a dedans. Donc, on va prendre pour les talents offensifs, par exemple. Donc, je vais vous mettre, enfin, je vous mets évidemment le lien, enfin, l'accès à ce tableau, hein, dans, la, dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo pour accéder à ce tableau complété. Hein. Vous aurez bien sûr la version à jour. Et ça vous permettra hein, de regarder tranquillement chez vous euh, tous les talents et commencer à imaginer un peu vos builds. Ou pas, hein, ça, ça dépend. Mais voilà, je pense que c'est, ça va être une super aide pour. Euh, bah je pense surtout quand vous jouez en équipe, peut-être, hein, ça va être une super aide pour que chacun puisse euh, coordonner un peu le, enfin puisse créer vraiment son build pour euh, pour être un bon soutien à l'équipe. Alors on voit par exemple talent offensif. Hein, donc j'ai mis sur la première ligne le talent de buff de stat. Donc ça, la première ligne hein, dévastateur. C'est le talent qu'on trouve sur la console. Euh, à la fin d'une arène, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc au tir 1, c'est-à-dire qu'on l'active la première fois le talent. Donc ses dégâts d'armes augmentent de 10%. Si on l'active sur la prochaine console, on l'active une seconde, une seconde fois, les dégâts d'armes seront à ce moment-là augmentés de 20%. Donc, vous avez compris le truc. Tir 3, ce sera augmenté de 30%. Tir 4, etc. Donc je suppose hein, que ce sera pareil pour le reste. Bon là, je n'ai pas encore complété. Je confirme hein, dès que j'aurai confirmé de toute façon je le mettrai à jour donc il n'y aura pas de souci. Alors là j'ai listé donc les différents talents en dessous. Donc il y a le talent allegro. Donc je vais vous l'expliquer brièvement, hein, on s'en fout un peu des stats là sur ce coup-là. Tout ce qu'il faut comprendre c'est que d'un tir à l'autre. Donc si vous activez plusieurs fois le même talent, en fait vous aurez des stats de enfin, de meilleurs de mieux en mieux. Vous aurez de meilleurs stats voilà. Un peu plus français. Alors on a on retrouve allegro donc ça conférera 7% à la cadence de tir. Donc du coup, ce sera, on évoluera en fait selon le tir hein, de 7% à chaque fois. Donc 7, 14%, je crois que c'est 21, 28, etc. Donc la cadence de tir. Ça peut être super hein, avec les, les fusils d'assaut. Ou les pistolets mitrailleurs d'ailleurs. Donc c'est un bon talent. Hein. On a le talent chirurgical. Donc ça, c'était un ancien talent de, de la première version hein, de Division 2. Donc c'est un talent qui confère simplement 5% à la probate coup critique. Alors si vous passez en tir 2, à confirmer, hein, je pense qu'on passe à 10%. Ou peut-être pas, je sais pas. Donc ça je confirmerai. Mais en gros, voilà, c'est un talent qui donne de la proba de co-critique. On a le talent compagnon. Donc quand vous êtes à moins de 5 mètres d'un allié ou d'un objet de compétence, le, dégâts, le total de dégâts d'armes est augmenté de 10%. Donc à voir hein, ce que ça donnera selon les tirs. Le talent contraint, de vous gagnez 5% au dégâts de co-critique. Corps à corps, critique, dégainer... Bon, je vais pas te saouler lire, hein, prenez le temps... De toute façon, vous avez accès au tableau maintenant, donc prenez le temps de le lire. Ah, en talent déséquilibre, qui lui est pas mal. 18% de dégâts d'armes au prix de stabilité et de précision. Alors, quand on le cumule, hein, on passe de 18% à 36% de dégâts d'armes. Donc, vous imaginez que si on gagne 18% de dégâts d'armes à chaque tir, ça risque d'être euh, vraiment pas mal. Alors, le talent étincelle, ok, maîtrise de soi. couvert À couvert, augmente le total de dégâts d'armes de 10%. Très intéressant puisque. Euh, vous serez quasiment tout le temps à couvert hein, dans le mode de jeu. Donc ça, c'est très... enfin, du dégât d'armes très facilement gagné. Talent obliter. Donc euh, ouais, sachant que c'est déjà à 10% au tir 1. Il se peut que ça passe à 20%, 30%, etc. Mais ça c'est à confirmer. Oblitération, donc c'est les coups critiques. Observation. Bon, ça c'est des talents qu'on retrouve dans la version actuelle du jeu. Donc lorsqu'on est à couvert. Optimiste, dégâts d'armes. Pas mal aussi celui-là. Dégâts d'armes augmente de 3% pour chaque tranche de 10% de munitions manquantes. Sauf qu'on voit qu'on passe hein. on passe à 6%, après on passe à 9%, tir 3. Et en plus, c'est chaque tranche de 9% de munitions. Donc en plus, les tranches diminuent. Ça veut dire que le dégât d'armes augmente encore plus vite. Alors le talent polyvalence, j'avais sa description, j'ai oublié de la mettre. Mais vous l'aurez dans la version euh, mise à jour. De toute façon, ça c'est polyvalence, je crois que c'est un talent que personne n'utilise jamais. C'est des dégâts d'armes qu'on obtient en changeant d'arme. C'est un peu spécial. Précis. Alors un talent qui confère des 10% aux dégâts de headshot. Donc ancien talent. Hein. Talent réalisme pour les contre les ennemis aveuglés. Tir déstabilisant touche un ennemi au corps augmente de 15% les dégâts du headshot suivant. Okay. Trépanation donc c'est toujours en dégâts de headshot c'est bon. Et vigilance hein, celui-là qui est bien hein, beaucoup utilisé pour les DPS augmente le total de dégâts d'armes de 10%. Subir des dégâts des actifs se buffe. Pendant 4 secondes, et on voit qu'en plus ça augmente vite. de hein. dégâts d'armes, on peut augmenter à 20%, 30%. Donc je pense qu'au tier 10, on doit être à 100% ici. Donc c'est pas mal. Pas mal du tout. Donc on voit, hein, si on compte bien. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 19 talents offensifs que j'ai recensés hein, pour l'instant. Bon, je pense que je les ai tous vus du coup. Donc, à chaque fois sur vos consoles, hein, en gros, si c'est réparti équitablement, vous aurez une chance sur 19 d'obtenir chacun des talents. Bon, voilà. Après ça, je ne sais pas si c'est réellement aléatoire ou pas. Voilà pour les offensifs. On passe pour les défensifs. Hein, donc, le buff de stats, c'est endurci. Donc, ça donne en fait 15% de protection par, euh, par, enfin, par nombre de fois où vous, avez, où vous aurez activé ce, ce talent sur les consoles en fin d'arène. Donc on voit 15, 30, 45, 60% au tir 4. Après je sais pas combien de fois on peut l'activer cette console au total. Moi je l'ai activé que 4 fois. Donc après à voir. Hein. Alors le talent avant-garde. Déployer, déployer un bouclier le rend invulnérable pendant 5 secondes et donne aux autres alliés 10% de la protection en protection bonus. Alors ça c'est pareil, ils mettent à ça en talent défensif. Alors que ça concerne très clairement la compétence bouclier. Donc évidemment si vous n'avez pas eu la chance d'obtenir le bouclier en compétence, bah, n'activez pas ce talent, hein, ça, sert à, ça sert à que dalle. Voilà. Le talent isolé, bon, alors, j'ai mis sa petite icône, et je le ferai pour les, pour les autres aussi, quand j'aurai le temps. Alors, 10% la protection contre les altérations d'état. Alors là, on peut se dire, chouette, au tir 10, ça monte à 100%. Eh ben non, je suis désolé de vous le dire. J'ai réussi à monter au tier 3, et en fait, on gagne que 5% à chaque fois. Donc du coup 10, 15, 20, donc 40, 60, je sais pas, on arrivera peut-être à 70%, je sais pas. 20 au tir 3, ça fait 30 au tir 5 probablement. Ouais, 40 au tir 7, 50... Ouais, on doit, on doit être à 50, 60% de protection. Au tir 10, donc bon, bon, bref. Alors leadership, réaliser le changement d'abri, ok, bon. Pousser d'adrénaline, ça s'est pas mal utilisé. Donc c'est quand on se trouve à moins de 10 mètres d'un ennemi. Sauf que là, on voit hein, le bonus de protection va augmenter. Selon le tir, j'avais pu l'augmenter euh, 4 fois là. Alors, le talent de préservation, celui-là, il est vraiment pas mal. Donc, éliminer un ennemi répare 7% de votre protection sur 5 secondes. Élimination par headshot améliore la réparation de 5% supplémentaire. Lui, j'avais réussi à le cumuler, alors je sais pas, 6 fois, je crois. J'étais au tir 6. Et on voit. Tir 6, hein, éliminer un ennemi répare 42% de votre protection sur 5 secondes. C'est énorme, 42%. Les éliminations par headshot améliorent la réparation de 30% supplémentaire. Alors, alors ça veut dire qu'à chaque kill, en gros, je récupère déjà la moitié de ma protection. Quasiment, hein, Bon, même si, même si c'est sur 5 secondes. C'est énorme. Je pense que préservation, ça va être l'un des meilleurs talents défensifs, à ce que j'ai vu. Hein. Alors on a le talent protecteur, alors en réalité, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, il existe deux talents qui s'appellent tous les deux protecteurs. Alors j'ai précisé protecteur simple et protecteur bouclier. Alors protecteur simple, enfin celui-là, c'est celui le talent qu'on avait vu hein, précédemment, donc quand votre protection est intacte, augmente la réparation de compétences de 40%. Donc c'est un talent défensif mais qui s'applique en fait aux... aux compétences de réparation. Donc c'est sûr que si vous n'avez pas de compétences de réparation, c'est pas la peine de, de mettre ce talent là. Pareil pour le deuxième talent protecteur qui concerne cette fois-ci le bouclier. Donc, quand le bouclier est endommagé, vous gagnez 5% de protection bonus et les alliés gagnent aussi de la protection en protection bonus. Et ça, par contre, bah, ça nécessite d'avoir le bouclier. Donc, si vous l'avez pas, pareil, euh, n'utilisez pas ce talent, ça sert à rien. Rechargement protégé, octroie 10% de protection bonus quand vous rechargez. J'ai jamais compris l'intérêt de ce talent je pense que personne ne l'utilise. Bon, soit. Alors, retranchement, ça c'est un talent aussi qui est vraiment pas mal. Si vous êtes à moins de 30% de votre protection, les headshots effectués depuis un abri réparent 10% de votre protection. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce talent s'applique à toutes les armes. Il n'y a pas de condition d'arme. Alors, ça veut dire que même avec un fusil d'assaut, hein, si vous êtes à moins de 30%, un headshot avec un fusil d'assaut ça vous répare 10% de votre protection. Sachant que ça, ça augmente. Alors le plus amusant, c'est que ça augmente de 5% pour la condition de protection, mais ça augmente de 10% pour la réparation de protection. Donc là, si on a moins de 35%, on peut gagner 20% de notre protection rien qu'avec un headshot. Alors ça, je veux pas vous, je, je vais le dire, c'est super puissant comme talent. Franchement, comme talent défensif. Parce que là vous pouvez le cumuler, mais alors euh, rien que là, hein, rien, qu rien que le premier cumul déjà ou le deuxième cumul, réparer 20% de la protection grâce à un headshot, c'est énorme. Le talent serment, donc c'est un peu la même idée que retranchement, hein, c'est de la ré régénération de protection. Mais là par contre, si vous êtes à moins de 15% de votre protection, donc c'est encore plus restrictif. Et cette fois-ci, c'est les coups critiques qui réparent des pourcents, un pourcentage hein, de la protection détruite. Donc bon après si vous cumulez les deux talents je pense que ça peut euh, ça peut monter vite sauf que là serment vous voyez c'est 15%, 16%, donc j'imagine 17%. La condition de protection par contre elle est quand même très très euh, drastique. Ok donc ça nous fait combien là en protection en, stade, en nombre de talents défensifs Il n'y en a pas beaucoup. Donc je compte pas en durci. Hein, en durci c'est le c'est le buff de stade, donc ça ne compte pas dans les talents classiques. Les talents classiques, par contre, j'en ai 3, 6, 9, 10. J'en ai que 10. 3, 6, 9 et 10. Voilà. Donc, du coup, les talents défensifs, hein, vous les verrez plus souvent apparaître. Donc, ils seront assez faciles euh, à stacker au final. C'est pour ça, hein, du coup, que j'ai eu préservation euh, cette fois. Et puis même le talent protecteur. Ouais, D'ailleurs, j'ai pu, le... dans une partie où je jouais healer, hein, je jouais soigneur puisque j'avais obtenu la ruche de, de réparation. Bah lui je l'ai stacké combien 7 fois je crois. 7 voilà. Et donc qu'est-ce que ça me donnait là, cette stack Quand votre protection est intacte, augmente la réparation de compétences de 280%. Je je sais pas si vous vous imaginez. Je l'ai multiplié par 3,8 ma compétence de réparation. C'est énorme. Alors que le jeu dans le jeu de base, hein, on est à 100%, je crois, normalement. Dans le jeu de base, c'est 100% le talent. Énorme. Alors après les talents défensifs, on a les talents utilitaires. Donc comme j'ai dit, ça sert à la fois... Enfin, ça sert soit les DPS, soit les... Euh... soit les compétences. Alors à la console des arènes, on a le tiers de compétences. Bon, classique, hein, dans le jeu normal. Donc ça donne 1, 2 ou 3 en tiers de compétences. Donc ça améliore simplement bah, les stats de compétences, hein, tout bêtement. Et là par contre, donc j'étais allé au tiers de compétences 6. Et du coup, je ne pouvais plus prendre un nouveau tir de compétence à une autre console. Donc, non. Donc, il n'y a pas de surcharge ni rien. Voilà. Donc, ça, ça restera comme ça. Alors, on a le talent afflux d'énergie, autonome, destructeur. Bref. Donc, afflux d'énergie, utiliser le kit de protection, confère plus un en tiers de compétence. si vous êtes déjà au tir de compétence 6, alors ça, ça se produira quasiment jamais. Au moins d'être à la fin. Temps de recharge, par contre, le temps de recharge diminue. À mon avis, ce talent, il ne va pas être super génial. Je pense même que dans le jeu normal, hein, personne ne l'utilise. Alors Autonome, ça c'est un ancien talent hein, de l'ancienne version du jeu. Équiper ce talent confère 10%. Alors c'est aux effets d'état cette fois-ci. Donc c'est pas une résistance, hein, c'est vraiment nous qui infligeons des effets d'état aux mobs. Donc ça, je ne le recommande pas. Pas spécialement, à moins que vous ayez une tourelle lance flamme Ce qui à mon avis est la seule chose intéressante. Alors le talent destructeur, ce talent confère 10% aux dégâts de compétence. Et on voit tir 1, hein, donc tir de compétence 2 équipé, euh, pas de tir de compétence 2, pardon, c'est le tir 2. Hein. Au tir 2. Moi bon, je la musique parce que j'ai division d'arrière-plan. Donc au tir 2 destructeur, on passe à 20% aux dégâts de compétence. Donc vous l'aurez compris, pour ceux qui ont envie de jouer à des compétences euh, offensives. Destructeur, C'est un putain de talent à stacker. Énorme. Doué. Élimination pour compétence ont 20% de proba de réinitialiser les recharges de compétences. Alors là, on voit qu'on gagne 10%. 10% par euh, tir au final. Euh, Je pense que ça doit valoir le coup si vous jouez peut-être avec un drone ou un truc comme ça. Drone ou tourelle lance-flamme. Et puis une autre compétence. Euh... Une compétence plutôt. Euh... À utilisation unique, quoi, en gros, genre des mines ou des choses comme ça, histoire que ça se recharge directement, donc ça, ça peut être pas mal à stacker aussi. Exploseur, rayon d'effet des grenades, bon, ça personne ne l'utilise, je pense. Extra, alors ça, c'est un truc qui ne tient enfin, qui est pour les DPS, hein, donc le talent qui confère 10% à la capacité de chargeur. Donc là, je vais pouvoir compléter, hein, puisque dans la vidéo, je l'ai co... euh, stacké une deuxième fois. Où on a bien vu du coup que c'est plus 20% du coup à la capacité de chargeur, donc ça c'est super utile hein, pour les DPS. Fortifiant, le talent confère 10% à la réparation de compétences, donc ça c'est pour les healers. Fortifiant, main ferme, tir réussi, confère un bonus de 1% à la précision et stabilité. Ok, au bout de 100 bonus, l'effet est consommé pour remplir le chargeur. Bon, très peu utilisé. Main rapide pour la rechargement. Opportuniste, c'est pour les dégâts. Optimisé, maniement d'armes. Pointe. Dégâts de compétences, donc ça ça peut être bien stacké avec euh, Exploser. Up Exploser avec Destructeur, hein, pardon, le talent. Pousser. Euh, récup de compétences, ok. Pourquoi pas, hein, 30%. Au tir 3. Préparer à couvert le maniement d'armes est amélioré de 10%. Ouais. Soutien technique. Élimination par compétence augmente le total de dégâts de compétences de 10%. Pendant 10 secondes, alors c'est amusant. Ouais, élimination par compétence, donc ça ça peut être génial aussi une petite tourelle lance flamme ou un drone puisque à chaque kill on va augmenter et puis on voit en plus qu'en passant d'un tir à l'autre non seulement on double le dégât fait aux compétences mais en plus on double la durée alors vous imaginez 50% de dégâts pendant 50 secondes c'est énorme tir chanceux ça c'est plutôt pour les dps tir raté ok trauma donc ça ça peut être bien pour distraire les ennemis et vindicatif alors ça ennemi touché par un effet d'état Ouais, ça donne de la proba, donc ça c'est un peu plus euh, éventuellement si quelqu'un joue en effet d'état, mais à moins d'avoir une toile lance-flamme, j'ai un peu plus de mal à, à générer des effets d'état, à moins d'acheter peut-être des balles incendiaires ou etc. ou d'autres balles ou des balles d'autres types hein, aux, aux différentes stations de ravitaillement hein, qui est en cours de, de partie. Voilà, bon, et là je vous ai listé, ah oui, donc ouais, donc talent utilitaire, je vais compter. On ne compte pas tir de compétences. Alors j'en ai 3, j'en ai 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17. Voilà, je crois que j'ai 18 talents utilitaires. Donc c'est un peu moins facile de les stacker. Sauf si bien sûr vous économisez le fric pour pouvoir euh, rel mais, re relancer le, euh, des stats aléatoires au cas où vous avez besoin. Ça augmente du coup les chances de, de les obtenir sur les ordiens, et voilà j'ai listé les talents exotiques, donc là j'en ai observé que 9, ah ouais 9 quand même 3, 6, 9 donc il y a canon de verre, alors je, je vous conseille absolument pas de l'utiliser parce que le but c'est quand même de pas crever conversation ininterrompue c'est le talent exo de, du PM je sais plus comment il s'appelle voilà, déluge de feu alors ça c'est le talent c'est pas mal la boulette king, hein, où il n'y a pas de rechargement Excellent ça. Fleu des parias, donc ça c'est les coups au but qui infligent des dégâts augmentés. Et en plus, l'effet cumulable et puis ça transfère l'effet. Donc c'est vraiment pas mal. Justice aveugle, bon ça c'est un peu pourri. Marchand de sable, c'est le talent du... Euh, du, du fusil calibre 12, bonne nuit. attaque au corps à corps, tue instantanément les ennemis non élites. Temps de recherche 15 secondes, c'est quand même un bon talent, hein, mine de rien. Talent médecin de famille. Alors, ça, si vous si quelqu'un de votre équipe a l'occasion de l'activer, activez-le parce que là, sérieusement, médecin de famille, c'est le putain de talent à avoir. Tirer sur un ennemi avec cette arme applique une marque pendant 5 secondes. Si une cible marquée a tué, elle génère un kit de réparation de protection de 10% qui s'applique à tout le groupe. Le, conf le kit ne confère pas de bonus de protection. Médecin de famille, c'est juste le talent à avoir. Hein. Que vous soyez healer ou pas. Ça permet de redonner de la protection à tout le monde. Donc, sérieux, c'est vraiment ça qu'il faut hein, dès que possible l'activer. Sansu, alors, ça c'est vraiment éliminer un ennemi, augmente et renouvelle un effet cumulé de 8% de protection bonus pendant 10 secondes. C'est un talent personnel. Alors, ça c'est marrant parce que de base, Sansu n'est pas un talent exotique. sensus c'était un talent euh, euh, défensif. Mais voilà, bon, il a été mis en exotique. Je ne sais pas pourquoi. Bon, soit. Je sais Pas si c'est une erreur ou bon, un peu comme canon de verre, hein. canon de verre de base, c'est pas un talent exotique, hein. c'est un talent euh, offensif, donc bon, voilà. Bref, et le talent souffle ultime, donc ça, c'est le talent de la euh, Lady Death, donc le, le, le pistolet mitrailleur quand vous déplacez, fait des bonus par seconde, etc. Et ce qu'il faut savoir par contre, c'est que ces talents exotiques, même si de base, la plupart hein, c'est des talent d'armes, donc appliqué aux, aux armes, et bien là il faut savoir que c'est applicable à toutes les armes. Quelle que soit l'arme que vous tenez en main, le talent s'applique. Donc je ne vous dis pas, hein, déluge de feu, vous pouvez l'utiliser avec un, avec un fusil d'assaut, ça fera très très bien l'affaire. Comme vous pouvez utiliser marchand de sable avec un pistolet, un fusil d'assaut, un fusil mitrailleur, euh, faites-vous plaisir. Et médecin de famille, pareil, hein, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle arme. Souple ultime, pareil. Donc là vraiment faites-vous plaisir. Il euh, y a de quoi faire. Bon, donc comme dit, pour avoir accès à ce tableau-là, euh, vous allez dans la description de la vidéo et vous allez le trouver tout de suite. Donc mis à jour. Ok. Alors j'ai sorti mon petit tableau blanc qui est noir à droite. Donc c'est pas pour rien, c'est que je vais en profiter maintenant que j'ai hein, tous ces différents talents sous les yeux. Je vais en profiter juste pour faire avec vous, mais très briève, enfin, brièvement, tant que je peux le faire. Un exemple de build, par exemple. Alors, si je veux un build, alors c'est un exemple, hein, comme dit, après, faites-vous. Enfin, euh, ça dépend hein, vraiment des talents que le, les différentes consoles vont nous proposer. Mais voilà, par exemple, qu'est-ce que je ferais si je voulais faire un build DPS Donc, Maintenant que j'ai. C'est assez facile, hein. Maintenant que j'ai le tableau sous les yeux, bah je peux savoir quel talent je vais aller chercher ou je pourrais aller chercher pour finalement créer, euh, créer mon build. Donc le truc, c'est que pour le DPS, les, tous les, je dirais que presque tous les talents offensifs sont bons, mais il y en a qui, sera, qui seront peut-être mieux à stacker, mieux stackable. Hein, ou du moins plus intéressant parce qu'ils requiert beaucoup moins de, de conditions. Alors alors euh, en talent, je ne vous parle pas de dévastateur, évidemment, puisque ça, c'est les consoles de... Ça, c'est les consoles hein, sur, les, euh, sur les arènes. Donc, ce n'est pas un talent euh, qu'on aura classiquement, hein, qu'on aura à chaque salle. Donc, je, évidemment, ce talent-là, je ne le marque pas. Même si c'est évident, mais bon, après, mettre un peu de protection, c'est pas mal non plus. Parce que le but, bon, en tant que DPS, c'est quand même de ne pas être à terre tout le temps. Sinon, on sert à rien. Donc, moi, je vais regarder uniquement les talents qui sont en dessous. Alors cadence de tir, franchement ça peut être pas mal. Après, je vous dirais, ils sont tous pas mal, hein, sérieusement. Ils sont tous pas mal, mais bon, allez, je peux noter par exemple ce qui pourrait être vraiment intéressant. Donc Allegro, il est vraiment pas mal. Parce qu'il y a de la cadence de tir. Ok. Chirurgical, si on le stack, je pense qu'on passe à 5, 10, 15% de proba critique. Il peut être pas mal, mais honnêtement, je ne le prendrai pas. Je le prendrai pas en premier parce que je pense qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup mieux. Compagnon, quand vous êtes à moins de 5 mètres d'un allié, le total des dégâts d'armes est augmenté de 10%. Ça peut être pas mal, mais il faut savoir jouer près d'un allié ou d'un objet de compétence. Donc c'est pas le talent le plus trivial. Si on veut, ces pourcentages de dégâts. Donc je ne vais pas le mettre en premier. Contrainte, euh, ça permet d'augmenter les dégâts de coup critique. Par contre, il faut arriver à... Euh, voilà toutes les 0,5 secondes pendant que vous tirez, donc il faut pas relâcher le... Il ne faut pas non plus relâcher le... Comment le, le le truc là pour appuyer, je sais plus comment ça s'appelle. Pas ah, bah, bref, vous m'avez compris. Donc ça s'applique hein, sur les armes à... à cadence rapide, évidemment, les fusils mitrailleurs et tout. Donc les armes automatiques, voilà. Ok, donc corps à corps, tuer une cible dans un rayon de 3 mètres, augmente les dégâts d'armes. Ouais. Bon. Critique. Le dégât au coup critique. Bon, pas trivial. Dégainer... Alors ça, pas du tout. Changer d'arme augmente le total de dégâts d'arme. Même si ça peut être puissant. Il faut penser à changer d'arme. Donc franchement, c'est un peu le bordel. Alors déséquilibre, honnêtement. Je pense qu'il peut être pas mal. Après, à voir ce que ça donne, point de vue stabilité, précision. Parce que là, on perd quand même 10% à chaque fois. Mais on gagne 18% de dégâts d'arme. Alors honnêtement, à essayer déséquilibre mais après il faut essayer il hein. faut regarder ce que ça fait vraiment sur le la précision et la stabilité parce que c'est sûr que si vous tirez euh, faites énormément de dégâts mais que vous tirez vraiment à côté du, du mob bah, ça aura aucun intérêt alors le talent étincelle franchement il peut être super intéressant si vous jouez avec une compétence offensive alors quand même hein, total de dégâts d'armes 10% 20% 30% si vous blessez des ennemis avec une compétence, donc... Je pourrais le mettre. Je serais d'avis, et d'ailleurs dans une de mes parties je l'avais mis. Mais seulement... Si compétence d'attaque. Forcément une compétence offensive. Et pareil, attention à la compétence offensive. Il faut pas mettre des mines. Faut pas mettre une compétence qui pète une fois, et puis ensuite... Euh, vous mettez euh, 5 à 30 secondes à récupérer votre... Euh, à récupérer votre compétence. Il faut mettre vraiment un truc du style un drone ou une tourelle. Un drone tourelle, ça passe vraiment bien, puisque le drone tourelle, ça dure. Donc du coup, vous aurez toujours vos, vos dégâts d'armes pendant euh, pas mal de temps. Maîtrise de soi, je pense que ça vaut le coup, à couvert, parce qu'on est tout le temps à couvert au final. Et le total de dégâts d'armes, à mon avis, il augmente vraiment pas mal. Il augmente assez vite. Donc maîtrise de soi... Alors j'écris un peu dégueulasse. Maîtrise de soi il peut être vraiment pas mal. Oblitération, euh, Coup critique, augmente. Bon, ça peut être pas mal, mais il faut vraiment faire des coups critiques. Donc peut-être avec une PM. Observation. Ouais, ça peut être pas mal, mais quand on est délogé, c'est un peu plus le bordel. Et puis il faut rester quelques secondes à couvert. Après par contre, avoir, hein, avoir les, les améliorations. Parce que du coup, j'ai aucune idée. Est-ce que ça diminue le temps nécessaire où il faut être à couvert euh, afin d'avoir le bonus Je ne sais pas du tout. Donc, ça, je ne sais pas. Optimiste, par contre, il peut être pas mal. Dégâts d'armes augmentent de 9% pour chaque tranche de 9% de munitions manquantes dans le chargeur au tir 3. Donc, pour faire simple, on pourrait dire 10% tous les 10% manquants. Ça peut monter assez vite. Donc, moi, honnêtement, je vais peut-être l'ajouter. Optimiste, sérieux. Alors, je mets DPS, attention, un build DPS, il faudrait pas que axer là-dessus. Hein. Il va quand même falloir mettre des compétences défensives. Parce que sinon, vous serez, euh, vous serez dans la merde. Alors, polyvalence, j'en parle pas. Parce qu'honnêtement, euh, changer d'arme en cours de jeu, c'est bon, un peu le bordel. Et il y a trop de conditions là-dessus, c'est vraiment de la merde. Alors, précis, dégâts de headshot, bon, ça, faut être, euh, faut être doué là-dedans. Réalisme, ennemi aveuglé, bon. Le problème c'est que ça nécessite toujours 4, élimina 4 éliminations pour aveugler un ennemi. Donc à moins d'avoir la Luciole aveuglante, je pense que ça sert à que dalle. Tir déstabilisant, touche à un ennemi au corps, augmente de 30% les dégâts du headshot suivant. Il peut se cumuler jusqu'à 3 fois. Ouais, ça peut être pas mal, mais il faut bien penser à faire du headshot plus he euh, du dégât au corps plus headshot. Ça peut être compliqué. Trépanation, headshot augmente le total de dégâts d'armes. Ouais, c'est pas trivial non plus. Et vigilance. Bah alors là, vigilance, forcément, hein, je pense que c'est l'un des, des talents les plus utilisés. Alors vigilance, je pense, à ne pas utiliser en solo. Parce qu'en solo, vous prendrez toujours des dégâts. Donc c'est pas la peine. Utilisez-le en coop plutôt. C'est vrai que plutôt que de marquer euh, pas solo, je vais plutôt marquer coop. En coop, il est bien, puisque euh, finalement c'est les autres. Euh, c'est les autres. Comment dire C'est les autres alliés qui vont se prendre les dégâts. Donc voilà. Alors ça, voilà, donc finalement, c'est les talents DPS que j'utiliserai. Voilà, que j'utiliserai hein, si j'avais vraiment à me construire un, un build. Ou du moins, c'est les talents que je privilégierais si j'avais à choisir. Alors en talent défensif, allez, je vais passer sur du bleu à se faire plaisir voilà donc talent défensif pensera que j'aurais pu mettre un défensif alors qu'est ce que qu est -ce qui est le mieux avant-garde c'est uniquement si vous avez un bouclier donc évidemment à pas choisir sauf si vous avez le bouclier Isolé, franchement ça sert à rien leadership changement d'abri euh, protection bonus ça va pas vous servir sérieusement pousser d'adrénaline Gagner un bonus de protection de 9% au tir 3. 9, 18, 27%. Ça peut être pas mal. Mais ce que je choisis en premier, moi, de toute façon, c'est préservation. Il n'y a, a pas à tortiller. Un talent défensif, préservation, c'est le mieux. C'est le must. Parce qu'il suffit de tuer un mob pour récupérer de la protection. Donc, ça, c'est vraiment le top. Accumuler avec. Retranchement, si vous êtes à moins de 30%, les headshots effectués depuis un abri réparent 10% de votre protection. Ça, vraiment, les deux talents là, réservation et retranchement, c'est excellent pour euh, récupérer de la protection si vous n'avez pas de soigneur. Puis il faut savoir que finalement, les, les healers, les soigneurs en compétence, hein, ce sera quand même finalement assez dur d'en avoir parce qu'il n'y a pas forcément. Euh... Vous vous souvenez, hein, les. On ne peut pas... Euh... Enfin, c'est vraiment de la chance qu'il faut avoir pour obtenir des... des compétences de réparation. Lors des. Enfin, sur les sur les ordi. Hein. Malheureusement, vous ne pourrez pas choisir. Enfin, vous n'aurez pas beaucoup de choix, donc euh, ce sera vraiment le bordel. Un rechargement protégé, on oublie. Serment... Pour moi, on oublie aussi, hein, c'est trop faible. Enfin, du moins, la condition de protection, elle est trop trop faible. Donc ça ne va pas vous servir. Les deux protecteurs, c'est sur des boucliers. Par contre, si vous avez un bouclier, un bouclier, donc il y a deux talents à accumuler hein. avant-garde et protecteur sur le bouclier. Et si vous êtes healer, donc il y a protecteur là. Mais bon, c'est pas le sujet pour l'instant. Et en troisième, je choisirais moi forcément poussée d'adrénaline. Donc ça, ce qui est pas mal hein, pour vous pour vous barrer. Donc ça, c'est si vous êtes encerclé par du mob. C'est parfait pour, se, pour arriver à se barrer. Ou arriver surtout à ne pas se faire torcher. Voilà. Donc finalement, les autres compétences à la limite, les autres... Vaut, vaut mieux, comme il n'y a pas beaucoup, hein, finalement, il n'y a pas beaucoup de, de talents défensifs, eh ben, il est préférable, selon moi, de cumuler ces talents-là plutôt que d'en activer d'autres qui seront euh, totalement inutiles. Ouais. Alors, talent utilitaire, on va passer là-dessus. Parce que utilitaire, finalement, ça va servir à la fois les compétences ou les DPS. Alors, lesquels sont les mieux Afflux d'énergie, c'est pas la peine. Ça va, ça sert à rien. Déjà parce que vous n'aurez vous pas 50 kits de protection. Et puis en plus, gagner 1 en, en tir de compétence. Je ne suis pas sûr franchement que ça fasse une différence dans le jeu. Autonome. Euh, des effets, ouais, améliorer les effets d'état, franchement, ça va pas être énorme non plus. Pour moi, je passe destructeur par contre, oui, ça c'est clair. Un talent pour augmenter les dégâts de compétences, forcément. Alors, évidemment, compétences offensives, oui. Et ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on a aussi étincelle là-haut pour les DPS donc. Ça peut être deux talents accumulés, hein, destructeur et étincelle, parce que du coup, ça veut dire que on fera plus de dégâts en, euh, à la fois en compétences et finalement en armes aussi. Donc ça, ça peut être des talents cumulables selon le build que vous faites. Alors le talent doué, euh, je pense que la stat augmente pas mal, mais ça, il faut au moins deux compétences. Donc doué, on va pas forcément le prendre au début, mais il peut être intéressant. Exploseur, euh, non. Franchement, tuer avec des grenades, je crois qu'on n'a jamais réussi. Extra, par contre, il est bien. Extra, mais alors ça, c'est plus pour les DPS. Parce qu'à la limite, si vous faites que des. Enfin, de toute façon, forcément, en fait, je vais mettre DPS, mais je pense que le talent extra, ça va être un talent quand même activable par tout le monde. Parce que finalement, euh, même si on joue en compétence, on ne pourra pas se contenter de la compétence. Hein. Au début, euh, il faudra forcément. Des talents, ce talent utilitaire. Alors le talent fortifiant, il peut être pas mal. Si vous jouez healer. Mais bon, je ne vais pas le mettre en premier, hein, puisque c'est vraiment euh, occasionnel. Enfin ah bon, cela dit, j'ai mis destructeur, donc oui. <laughs> je pourrais mettre pareil. Main ferme, non. Main rapide, coup critique, non. Opportuniste, euh, franchement, non. Optimiser, non. Pointe. Ça c'est pour les dégâts de compétence, donc accumulé avec destructeur. Pousser récup de compétences si on en compétences. Préparer maniement d'armes à couvert. Ouais, pourquoi pas. Soutien technique, en fait, il y a surtout des trucs pour les compétences. Hein. Tir chanceux, voilà, c'est lui que je voulais. Donc tir chanceux, accumulé avec extra. Puisque ça augmente aussi la capacité du chargeur. Mais là, c'est encore mieux qu'extra, puisque les tirs ratés effectués de abri ont une probabilité de 10% de retourner dans le chargeur. Sachant que je crois que cette proba augmente hein, d'un tir à l'autre. Trauma, ça peut être utile. Vindicatif, c'est pas la peine. Trauma, ça peut être utile pour vous sortir d'une situation un peu merdique. Bon, à voir. Hein. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai dit Ouais, finalement, ça, fait pas, ça ne fait pas beaucoup de talent utilitaire. Donc, euh, je pense que je pourrais effectivement... Euh Ouais en fait c'est ça, extra et tire chanceux, je crois que c'est les mieux hein, à utiliser pour tout. Après destructeur c'est vraiment euh, pour les compétences. Mais voilà en gros, donc ça finalement bon excepté là où j'ai mis. Donc excepté, on va dire, destructeur que j'ai mis en cas particulier et Étincelle, que je mets en cas particulier puisqu'il faut une compétence. Tout le reste, là, je pense que c'est vraiment des talents à utiliser peut-être dans tous les builds. Ouais, parce que ça va vraiment servir pour tout. Hein. Donc je pense que c'est vraiment les meilleurs talents pour moi activés. On va dire dans toutes les situations. Maintenant, après, si on veut faire un build spécial... Euh, effectivement il faudra euh, il faudra vraiment prendre les trucs euh, plutôt spécifiques voilà mais je pense que ça je vais, je vais vous le montrer à mon avis dans une euh... ouais je vais vous le faire dans une autre vidéo ce sera plus euh, ce sera plus clair parce que je pense que cette vidéo, vidéo là elle est déjà pas mal voilà donc je vous ai fait ça, donc euh, je vous rappelle, hein, ce tableau est dispo et il sera mis à jour dans, les, dans, les, dans la description hein, de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis à, à proposer éventuellement des idées de build. Enfin, c'est surtout pour vous, hein, pour que ce soit une aide. Voilà, et puis surtout aussi pour que vous évitiez de prendre des talents qui finalement euh, ne vous serviront jamais. Donc je pense que ça va déjà être une, une bonne base. Voilà. Donc, le talent exotique, euh, oui, bah oui, c'est vrai que du coup, j'ai oublié le talent exotique. Donc, on va le faire. Exotique, en plus, j'ai un peu de place. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que je vous recommande Eh bien, je pense que j'avais assez insisté là-dessus. Le médecin de famille. Sérieux Ça, si l'un, au moins l'un d'entre vous, peut l'activer, médecin de famille, c'est impératif. Ce truc-là, ça vous redonne de la protection. À tout le groupe en plus, et c'est 10%, hein, donc c'est vraiment vraiment quelque chose d'abusé. Donc, ça, si vous une ou n'importe combien de personnes de vous peut l'activer, peut activez-le. Ça vaut énormément le coup. Qu'est-ce que je mettrais après Je mettrais, je pense, alors canon de verre, surtout pas. Conversation ininterrompue, franchement, non. Déluge de feu, il est bien pour le DPS. Je vais le marquer. Déluge de feu. Mais faites attention hein, quand même parce que vous n'avez pas des munitions illimitées. Mais il peut être bien. Alors attention, bien sûr, si vous prenez des luches de feu en talent exotique, ne vous embêtez plus avec les compétences du style extra et tir chanceux, avec les talents extra et tir chanceux, puisque eux augmentent la capacité du chargeur, alors que dans que le talent des de feu, bah, vous n'avez plus de chargeur, hein, techniquement, donc... Ne mettez pas les trois talents ensemble, ce serait, euh, ce serait vraiment un gros gâchis. Alors, Fléau des parias, franchement, il peut être pas mal pour faire des dégâts. Justice aveugle, c'est de la merde. Marchand de sable, il peut être bien. Sensu, euh, je vais vous dire, c'est plutôt de la merde. Il y a mieux. Et Souffle Ultime, ça peut être sympa quand vous vous déplacez. Donc, je pense, je vais vous le marquer. Donc, Fléau des parias, bon, je vais juste marquer Fléau. Je vais marquer Marchand de sable. J'ai plus de place. Ok. Et le dernier, qu'est-ce que je vous ai dit J'ai dit souffle ultime. Ouais. Souffle ultime qui peut être bien aussi à jouer. Mais attention, souffle ultime, hein, parce que ça nécessite de vous déplacer. Donc, euh, si vous restez à couvert, c'est pas la peine. Après, vous pouvez marcher. Hein. Pas grand-chose à faire. Euh, voilà. Ok. Bon, ben, bah, sur ce, euh, j'espère que ça va vous aider. Hein. Je pense que. Bah, moi je vous dirais que oui, hein. ça vous permet aussi de plus naviguer euh, de manière totalement aveugle dans le mode descente. Et là maintenant, hein, je pense qu'avec ça, vous deviendrez, à mon avis, beaucoup plus intéressant dans votre, euh, dans votre groupe. Voilà, donc n'hésitez pas, le lien encore une fois est dans la description. Et n'hésitez pas à proposer vos builds. Et du coup, je vous retrouve euh, dans une prochaine vidéo hein, sur Division 2. Allez, à bientôt ¡Chau!